Good morgen, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, le Nishma Dov, Ben Yudit, Vatar Amram Ben Chet Vachani, Esther, Bat Miriam, Yitzhak Ben Fortuna, ainsi que les Fouat Chaim Avram Ben Rachel et Moshe Yoel Ben Rachel. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions aujourd'hui Maseret Shabbat, Perek Vav, Mishnah Chet, Akitea Yotseba, Kavshel Odi, Rabbi Meir, Rabbi Yossi Oser, Vimieshlo, Bet Kibul Ketutin, Tame, Samchot Shelo, Tmei Midras, Yotsin Ben Beshabbat, Benichnasin Ben Bazara. Qui sait vers sa mochot shelo, tmein midras, ve'en yotzin ben beshabbat, ve'nichnasin ben bazara. An katmin tehorin, ve'en yotzin ben besh, ve'en yotzin ben. Une Mishnah assez complexe, Bezrat Hashem, on va bien l'organiser. Je présente très rapidement le principe de la Mishnah et on va l'étudier pas dans l'ordre de la Mishnah. Je vais d'abord tout présenter à l'oral et puis après on lira tout ça dans les mots. C'est simple en fait. On va parler d'une personne qui a une jambe amputée, une ou deux jambes amputées, ou même des jambes paralysées. Maintenant, pour compléter son handicap, pour remplacer sa jambe, pour voir tant bien que mal se déplacer, alors il adopte différents systèmes, d'accord, qui vont donc jouer quelque part le rôle de chaussures, ils vont remplacer ses pieds, ou bien aussi... Ils vont servir plutôt à camoufler cet handicap en mettant une sorte de prothèse, une jambe de bois, quelque chose qui est là purement pour faire semblant qu'il a un pied, mais en fait c'est pas un pied, il l'utilise même pas, comme ce qu'on va voir. Selon le cas, on va être confronté à trois domaines de halakhot. Un premier domaine par rapport à l'issur Shabbat, est-ce qu'on aura le sortir avec cette chose-là pendant Shabbat ou non. Et un deuxième domaine, c'est la loi de Touma Vetahara, la loi de pureté d'impureté. Et un troisième domaine, c'est ce qu'il a le droit d'entrer au Beth Amikdash avec cela, parce qu'au Beth Amikdash, ou dans tout Arabite, on n'avait pas le droit de rentrer avec des chaussures, pas d'entrer pieds nus. Maintenant, j'ai le droit d'entrer avec un pantalon. La question maintenant, quelqu'un qui a plus de pieds et qui marche sur ses chevilles, est-ce que ses chevilles ont un statut de pied, donc la chose qui va protéger ses chevilles, est-ce que ça prend un statut de chaussure ou pas? D'accord, vous avez compris un petit peu le principe, on a trois domaines. En fait, la Mishnah elle-même, elle va prendre chacun des cas de figure et parler à chaque fois des trois halakhot par rapport au loi du Shabbat, par rapport aux lois de pureté et impureté, et puis ensuite par rapport aux lois de rentrer au Beth Amikdash. Et puis moi, ce que je vais vous présenter à l'oral, c'est de le faire justement pas dans cet ordre-là, mais plutôt, au lieu de les faire pour chaque cas de figure, les trois colonnes, on va faire plutôt pour chaque colonne les trois différents cas de figure. D'accord? On va commencer dans l'ordre d'abord, à parler dans l'ordre d'abord de chacun. D'accord? Je préfère brasser un petit peu des données, pour ensuite, ça va vous permettre de comprendre un petit peu le principe de la Mishnah. Après, quand on va lire la Mishnah, ça ira beaucoup plus vite. Par rapport aux lois du Shabbat. Alors, tout d'abord, de manière générale, si c'est quelqu'un qui a besoin d'une canne pour marcher, et qu'il ne peut pas marcher sans la canne, on va parler d'un cas extrême, il ne peut pas marcher sans sa canne, il a besoin de sa canne pour s'appuyer, alors là, il peut sortir avec sa canne pendant Shabbat, et même si la canne, concrètement, elle n'est pas fixée dans son corps, ça ne s'appelle pas qu'il porte pendant Shabbat, ça s'appelle qu'il marche pendant Shabbat, ça remplace son pied. Quelqu'un qui a besoin de béquille, qui a un plâtre, qui marche, il a le droit de marcher avec la béquille pendant Shabbat. D'accord? À la différence d'un aveugle, ça va porter ici, je ne connais pas dans la halakha concrètement, comment c'est tranché, il y a... il rapporte ici le Tiferet Israël, il rapporte un Magan Avraham, qu'il émet quelques petites réserves sur ça apparemment. Un aveugle n'aurait pas le droit de marcher avec sa canne, parce qu'il peut marcher sans sa canne. Je sais pas, je connais pas, je veux pas m'engager. Mon but en tout cas maintenant, il est de vous expliquer ça. On va voir différents systèmes. D'abord, peut-être que non, je vais commencer d'abord avant de rentrer dans les halakhot concrètement. On va présenter trois cas de figure qu'on va évoquer dans le Mishnah. Il y a une personne qui a une seule jambe amputée, même partiellement, la moitié, ou un petit morceau de jambe. Du coup, il a mis une prothèse. Et il marche avec des cannes essentiellement. La prothèse, il ne s'appuie pas du tout sur elle. Et s'il ne s'appuie pas du tout sur elle, il s'avère que cette prothèse, elle ne lui sert pas à marcher. Ce n'est pas non plus un bijou. Et il s'avère qu'elle va poser problème, parce qu'elle rentre dans le cadre de rien du tout. Donc c'est un simple objet qui fait que tu portes pour faire semblant que tu as un pied, quoi. Donc ça ne marche pas. Et il y aura un problème avec celui-ci. Il y a un deuxième cas de figure, par contre. On va parler d'une personne que il a les deux jambes coupées au même niveau, chez l'Oneda. Mais en tout cas, donc il marche sur ses restes de cheville. Du coup, il va se faire des sortes de chaussures sur ses chevilles pour pouvoir marcher sur elles, ou encore même sur ses genoux. Shemirachem,
Bon, il faut parler concrètement, c'est rapporté dans la Mishnah, donc voilà. D'accord? Donc il s'est créé des formes de chaussures pour ses genoux, pour pouvoir marcher sur ses genoux, ou ses chevilles. Troisième cas de figure, on va parler d'une personne qui a rien d'amputé, mais paralysé complètement. Il ne peut plus utiliser ses pieds. Donc du coup, il se déplace, il ne peut même pas se mettre debout sur ses pieds, presque pas. Donc en fait, il met une sorte de, je sais pas, de protection sur ses pieds et sur son... Il s'assoit dessus en fait, il marche avec une sorte de petite chaise, d'accord. Ils n'avaient pas des chaises roulantes à l'époque, ils n'avaient peut-être pas créé le système. Ils avaient un autre système pour tant bien que mal se déplacer. C'était de mettre une sorte de petit siège qui couvrait en même temps les pieds, et puis des sortes, le pantalon rapporte des sortes de bancs, j'imagine que c'était des sortes un petit peu de poignées qui posaient un peu par terre, qui étaient un peu assez hautes pour pouvoir s'appuyer dessus et déplacer tout son corps dessus. Et il s'avère qu'il utilisait un petit peu ses pieds réels. D'accord? C'est nécessaire tout ça pour comprendre tous les détails ensuite qu'on va donner dans la route. Donc en fait, je reprends les trois cas de figure. Le premier, c'est celui qui a... Il lui manque un pied, mais il a l'autre. Et il marche que grâce à ses béquilles. Et là, c'est une pure prothèse. C'est une jambe de bois pour faire beau uniquement, sans aucune utilité. Deuxième cas de figure, c'est qu'en fait, il a les deux pieds coupés au même niveau. Donc en fait, il s'est créé des formes de chaussures, de protection pour protéger ses bouts des pieds, et il marche grâce à ses bouts de pieds. Peut-être qu'il s'appuie aussi sur des béquilles, c'est encore un autre. Ça change vraiment le problème. Il utilise en tout cas ses pieds. Et troisième cas de figure, c'est qu'il a les jambes paralysées. Il n'utilise pas les pieds, il n'utilise que ses mains. Mais il a des pieds concrètement. Et ça, cette petite nuance, elle va être importante pour les lois du Beth Amikdash. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais commencer par les lois du Beth Amikdash, parce que c'est ce qui est le plus facile. Comme ça, on va résoudre d'abord ce qui est simple, et on va partir du simple au compliqué. Pourquoi au Beth Amikdash, on dit qu'on n'a pas le droit de rentrer avec des chaussures? Des chaussures, c'est ce qu'on met au bout des pieds. Celui qui a plus de plantes de pieds, il n'a plus de pieds, il n'a que des chevilles, et bien il aura le droit de rentrer avec ce qu'il a à la place au Beth Amikdash. Et, autre chose aussi, la jambe de bois, eh bien... c'est marrant, on n'en a pas parlé de celui-ci spécialement, je suppose que c'est permis. Je ne vais pas m'engager. Logiquement, il n'y a pas de raison de... Oui, il a le droit d'entrer avec la jambe de bois au Beth Amikdash, parce que ça fait un pied, tout simplement. C'est une pure décoration, autant qu'il peut entrer avec un stylo dans la main, il peut entrer aussi avec un bout de bois qui fait semblant d'être un pied. Il n'y a aucun problème. D'accord? C'était même pas la peine de le dire, en fait, la Michel l'a pas dit, parce que c'est tellement évident. Par contre, un cas de figure qui est interdit, c'est celui qui a concrètement des pieds paralysés, puisqu'elle a des pieds qui couvrent ses pieds. Ce qui sert à se couvrir ses pieds, ça prend un statut de chaussure. Puisqu'il s'appuie, tant bien que mal, ça l'aide un petit peu pour se déplacer. C'est précisé comme ça dans votre Torah. Donc il s'avère que maintenant, aussi médiocre que soit l'usage qu'il fait de ses chaussures, si je peux dire, malgré tout, sauf il a des chaussures, il n'a pas le droit d'enlever des chaussures au Beth Amikdash. D'accord? Vous avez compris? Donc c'est ce qu'on va voir. Du coup, pour tout le début de la Mishnah, ce sera permis d'entrer avec le Beth Amikdash, avec ces choses-là, ses protections au Beth Amikdash, parce que ça ne couvre pas ses pieds, sauf le dernier cas de figure, que ça couvre les pieds, et dans la mesure où il l'utilise tant bien que mal comme une chaussure, puisque il s'appuie quand même un petit peu, le Bartanoï le précise, Nish'an al raglav ktsat, il s'appuie un petit peu sur ses pieds, donc c'est en statut de chaussure. Ça c'était pour les lois du Beth Amikdash, entre Beth Amikdash avec les chaussures. Maintenant, on va parler des lois du Shabbat. Alors en théorie, je vous ai dit, le Shabbat, si on a le droit de marcher avec, si on a besoin de ça pour marcher, sans ça on ne réussit pas à marcher, alors on a le droit de l'utiliser en Shabbat, d'utiliser le Shabbat, en théorie. Sauf s'il y a un problème, que ça peut tomber en route, premièrement, ou encore, si ça peut tomber en route, et qu'en fait, comme ce qu'on a déjà vu plusieurs fois dans ce chapitre, s'il y a un risque que ça va tomber, qu'il va le ramasser machinalement, qu'il va marcher avec, ou quelqu'un il va le ramasser plutôt, parce que lui le pauvre, il a du mal à se déplacer, donc il ne va pas s'amuser à marcher, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui peut tomber, qu'on va se mettre à le déplacer pendant Shabbat, eh bien il y aura un interdit de Midera Rabbanan, de peur qu'on va se mettre à le porter dans le Shoto Abim. Première éventualité, et deuxième éventualité, quelque chose qui n'est pas tellement nécessaire pour marcher en fait. Quelqu'un qui a une canne, pour s'appuyer de temps en temps, il se repose, il marche avec, et puis de temps en temps il se repose, là il n'a pas le droit de prendre sa canne pour le Shabbat, parce qu'elle ne lui sert pas pour marcher, il peut marcher sans. D'accord? Et c'est ce qui rapporte ici, je dis le Tiferet Israël, au nom du Magan Avraham, avec l'aveugle qui marche avec sa canne, qui peut aussi se passer de sa canne pour marcher, tant bien que mal, il n'a pas, ça c'est pas nécessaire pour s'appuyer dessus, donc dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de sortir avec pendant Shabbat, Midarabanan. Ovdin Decholi rapporte. Ok? Du coup, maintenant, j'applique tout ça sur la Halakhot. Alors il s'avère qu'en réalité,
Je laisse le cas de la jambe de bois de côté pour le moment. Je m'occupe des deux autres cas, parce qu'ils sont plus faciles. En fait, celui donc qu'on a dit qu'il marche sur ses chevilles ou sur ses genoux, parce qu'il a tous les pieds coupés, il est au même niveau, et qu'il utilise ses pieds pour se déplacer tant bien que mal. Donc il met des protections en cuir assez costaud comme ça lui racle pas le reste de pied qu'il a, les genoux. Eh bien, il aura le droit de marcher avec ça pendant Shabbat. Il n'y a aucun problème. Il y a celui qui a les jambes paralysées, qui a besoin de ces sortes de. Donc qui couvre ses pieds et qui utilise ses petits bancs, ses petites poignées là, un peu, qui marchent avec quoi, il réussit à traîner son corps pendant Shabbat. Alors ça, en théorie, ça. Alors, les poignées elles-mêmes, elles sont permises pendant Shabbat. Mais par contre, sa protection qu'il a, son siège qu'il a derrière lui, il est fixé sur lui. D'accord? On a dit, c'est composé comme ça. Il y a son petit siège et il y a les poignées. Donc il a besoin de tout ça pour marcher. Ça, on lui permet par contre ce qu'on appelle les samochot chez l'eau, ce qui va lui couvrir ses pieds. Alors là, il n'aura pas le droit de les mettre. C'est précisé dans le Martenora, soit parce que ça peut tomber, ou soit parce que. Ou soit, d'accord? C'était ici. Après, on va le voir. Concrètement, quoi, parce que ça peut soit tomber, soit, et donc on va lui transporter pendant Shabbat en transgressant l'interdit, ou soit parce qu'il peut s'en passer. C'est plus tellement nécessaire, cette protection, c'est plus. D'accord? J'ai du mal à comprendre, hein, je répète ce qu'il y a écrit, quoi, tel que j'ai étudié. Et voilà. Et maintenant, on va parler de loi de Touma et Tahara. Accrochez-vous, ça va pas être très compliqué, Bezrat Hashem. Il faut connaître quelques petites introductions. En Touma Vetahara, il y a deux types de. On va parler dans le Mishnah de deux types de domaines de pureté. Il y a tout d'abord, pour devenir impur, une chose devient impure que si elle a un statut d'ustensile, de clic. D'accord? C'est une grande règle, quelque chose qui n'est pas un clic, ça ne reçoit pas d'impureté. Premièrement. D'accord? Maintenant, quelque chose qui devient un clic, alors il y a des règles. Il y a le. Excusez-moi. Il y a maintenant, on différencie les ustensiles en bois des ustensiles en fer. Il y a des règles qui génèrent chacun de ces domaines. On va s'intéresser aux ustensiles en bois. Un ustensile en bois ne véhicule d'impureté que si il a un. C'est un ustensile qui contient. Si c'est un ustensile qui ne contient pas, qui est plat, eh bien, il ne véhicule pas d'impureté. Ce stender, par exemple, ce plateau en bois là, eh bien, il contient pas, donc, s'il était entièrement en bois en tout cas, c'est pas quelque chose qui contient, ça ne véhicule pas d'impureté, ça ne devient pas impur, ça ne peut pas la véhiculer. Et pour que ça devienne impur, il faut nécessairement qu'il y ait un ustensile qui contient, quelque chose qui contient, qu'on le remplisse. Maintenant, quelque chose qu'on remplisse, mais pas juste quelque chose qui contient, qui peut contenir, quelque chose qui est prévu pour contenir. Donc, en fait. Il s'avère que maintenant, on va prendre par exemple une jambe de bois, ça va être le premier cas de figure qu'on va voir. La jambe de bois elle-même, alors c'est vrai qu'elle a une forme ronde pour bien s'emboîter dans le genou et dans la cuisse pour pouvoir attraper, pour qu'il puisse marcher avec. Mais malgré, et pour que ça ne lui tombe pas du pied. C'est vrai qu'il y a cette forme-là, mais ce n'est pas quelque chose qui contient, parce qu'on ne déplace pas un homme en le déplaçant avec cette jambe de bois. Donc, premièrement, ce n'est pas un ustensile qui contient, donc ça ne véhicule pas d'impureté tant qu'elle est en bois. Sauf si elle est assez profonde pour pouvoir avoir prévu de mettre dedans des coussins ou des coussins un peu mous pour pouvoir lui alléger le poids, lui éviter les. Alors dans ce cas-là, ça devient un ustensile qui contient, et dans ce cas-là, ça véhicule l'impureté. Ça, c'est un premier niveau d'impureté. Il y a à part ça une touma particulière, ce qu'on appelle touma midras. Un ustensile sur lequel. Qui est prévu pour qu'un zav, une forme d'impureté forte, j'ai évoqué plusieurs fois, le zav, quelqu'un qui a des écoulements, mais spéciaux, c'est pas des écoulements habituels, ou même une femme, en dehors des périodes de ses règles, quand elle devient zava, le zav, il véhicule une impureté très forte, qui rend une grave impureté, une très grave impureté, sur le mishkav ou moshav, hein, le siège ou le siège du le siège ou le matelas du Zav. Il véhicule une grande impureté. Mais là, quelque chose de très original, c'est que ça ne véhicule cet objet-là. Il va prendre, pour revenir un peu en arrière,
quand lorsque le zav va toucher un ustensile en bois qui contient, il va le rendre irishon la touma, niveau 1. D'accord? Mais lorsqu'il va s'asseoir sur une chaise ou sur un matelas, il va rendre le matelas pas niveau 1, niveau avatouma, c'est plus. C'est-à-dire, si je peux dire, on va dire ça comme ça. Le avatouma, c'est le plus gros niveau de touma. Après, le rishon, la touma, ce qu'on appelle rishon, c'est comme si c'est le premier fils. C'est un niveau inférieur. Lorsqu'il touche quelque chose, il le rend rishon, la touma. Mais sur le mishkav au moshav, le moshav du zav, il le rend avatouma. C'est un niveau de touma beaucoup plus fort. D'accord? Maintenant, il y a une halakha très particulière dans ce dîme de mishkav au moshav, c'est que il ne peut rendre impur le siège que si c'est un siège qui est prévu pour s'asseoir. Par contre, si ça va lui prendre, il va prendre une valise, et il va s'asseoir dessus, il ne va pas la rendre impure par la tomate moshav. C'est pas, parce que ce n'est pas un siège. Il faut que ce soit quelque chose qui soit destiné, prédestiné à être un siège, ou à être un matelas. Alors dans ce cas-là, il va véhiculer l'impureté de cette impureté très forte de mishkav ou moshav. Mais par contre, si ce n'est pas prévu pour ça, si c'est pas prévu pour être un siège où on s'assoit dessus, alors il n'y aura pas la touma de Mishkav ou Moshav. D'accord? Du coup, maintenant, on revient sur notre Mishnah et on explique très rapidement. La prothèse du pied de la jambe de bois, on a dit, c'est pas fait pour s'appuyer dessus, ça prend pas une touma de Midras. Par contre, toutes les autres cas, donc de jambes amputées, mais qui va marcher, j'ai oublié de préciser, une chaussure, c'est une impureté aussi de Mishkav ou Moshav. D'accord? Parce que c'est fait pour rester dessus. Et du coup, maintenant, dans les appuis par lesquels le Zav s'appuie, puisqu'elles sont. Alors, c'est tout ce qui est fait pour que le Zav reste assis dessus. En l'occurrence, même, c'est. On a dit. Le Zav, le. Celui qui a eu les jambes amputées, qui s'est fait pour le soulager, pour qu'il puisse s'appuyer, se reposer, rester assis, rester debout dessus. Donc tout ça, ça va véhiculer la touma de Midras. D'accord? Ce fort niveau d'impureté. Moi, je reprends encore une fois, j'étais un peu troublé, désolé. J'aurais bien voulu attendre encore plus pour faire mon cours, mais il y a tellement d'activités à la maison que tant bien que mal. Je reprends encore une fois, je ne sais pas si j'étais assez clair. Toumat Midras, ça ne concerne que ce qui est fait pour quelque chose qui est. Que ce qui est réellement, soit une chaise, un matelas, quelque chose qui sert à ce qui s'adosse et se repose dessus. En l'occurrence, on va voir que parmi alors la jambe de bois, par exemple, qui est une simple prothèse qui sert à faire joli, elle ne va pas prendre une Toumat Midras. Par contre, tous les autres, celui qui a les deux pieds amputés, et qui va mettre dessus des quelque chose en cuir pour pouvoir lui permettre de marcher, ou même en bois, là ça va véhiculer la Toumat Midras parce que c'est fait pour se reposer dessus. Et ensuite, c'est fait pour que son corps se repose dessus. Ensuite, quand on va parler de la chaise aussi, de celui qui est paralysé et qui marche avec ses béquilles là, et bien de nouveau cette chaise-là, elle va véhiculer la Toumat de Midras, d'accord? On a presque tous les éléments pour faire la Mishnah, sauf la dernière phrase, qui est un tout autre sujet, et que je la laisserai, la dernière phrase, je la laisserai pour demain, parce qu'on a, pour le prochain cours, parce qu'on a une Mishnah très courte, donc c'est déjà, on le verra, la dernière petite phrase. Et pour le moment, on relit tout ça maintenant dans les mots, vous êtes prêts? Akitea. Alors, ah oui, je l'avais laissé celui-là de côté. Alors, Akitea, d'abord, Akitea, c'est, on a dit, c'est celui qui a une seule jambe coupée, qui met une seule prothèse. Qui met une prothèse. Cette prothèse-là, elle ne sert pas à s'appuyer, elle sert juste à faire beau. Or, elle sert à faire beau, si je peux dire, parce que franchement, ce ne sera pas tellement un bijou d'avoir une fausse jambe de bois, d'accord? Donc finalement, on est confronté à un problème. Ça ne lui sert pas à marcher, et ça ne prend pas un statut de bijou. Du coup, il y a une marloquette sur ça, est-ce qu'elle doit sortir avec? Rabbi Meir nous dit, « Akitea yotze bakav shelo, le kitea, celui qui a la jambe amputée, il a le droit de sortir avec sa prothèse pendant Shabbat parce que c'est considéré comme un tarchit. Ça lui sert à. C'est sa manière de se présenter, de présenter dehors. Il a le droit de la mettre. C'est comme un tarchit. C'est comme on pourrait mettre une couronne chez des gens qui sont beaux. Chez lui, le pauvre, ben, sa manière d'être beau, c'est de mettre cette prothèse-là. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Vive Rabbi Meir. Rabbi Yossi Oser, Rabbi Yossi interdit, selon Rabbi Yossi. C'est pas un bijou. Et ça lui sert pas à marcher.
Apparemment, il y aurait même un interdit d'Oraïta dans ça. D'accord? Et la halakha est établie comme Rabbi Yossi. Comme ça, l'appartenant y rapporte. Maintenant, la Mishnah continue. Ve'im yeshlo bet kibul ketutin. Et si toutefois, cette jambe de bois là, donc qui a une sorte de récipient qui n'est pas fait pour transporter quelque chose pour le moment. Si toutefois elle est assez profonde, elle est prévue pour mettre dedans des petits coussins pour lui alléger, im yeshlo bet kibul ketutin. S'il y a dedans un récipient pour mettre dedans des ketutines, apparemment, c'est-à-dire des coussins, je ne sais pas, quelque chose de moelleux, eh bien, tamé, ça véhicule une impureté, mais pas une impureté de midras, l'impureté du zav qui touche, parce que ça devient un ustensile en bois, qui a un clic qui contient. Maintenant, on passe maintenant à autre chose. Samochot shelo, je sais pas comment traduire, pas les prothèses, c'est pas le bon mot, ce qui lui permet de s'appuyer. En réalité, on parle donc, comme je dis, quelqu'un qui a les deux pieds coupés au même niveau, et il marche soit sur ses chevilles, soit sur ses genoux, et il a mis des samochot. Des samochot, c'est des sortes de sabots en cuir ou en bois qu'il aurait utilisé pour lui permettre de se déplacer maintenant, pour ne pas s'écorcher le pied par terre. Donc il a mis, c'est sa forme de chaussure, si je peux dire. Eh bien, ces samochot-là, c'est ce qui lui permet d'être nismar, de s'appuyer, ses appuis, que c'est traduit, si on traduit littéralement, eh bien, tmeim midras, il véhicule une impureté de midras parce que ça lui sert à se reposer, à ce que son corps repose entier dessus. Donc ça prend un statut d'impureté de midras. Veyotzin ba'en be'shabbat, on a le droit de sortir avec elle pendant Shabbat parce que cette fois-ci, ce sont des vraies chaussures qui l'aident à se déplacer. Venichnasin ba'en be'azara, on a le droit de rentrer avec ces formes de chaussures-là au Beit HaMikdash parce que ce n'est pas des chaussures. Les chaussures, c'est ce qui protège la plante des pieds avec les orteils. Mais s'il lui manque ça, eh bien le bout de sa jambe, ça ne s'appelle pas forcément un pied. Donc, c'est plus une chaussure. Maintenant, qui sait les samochot shelo? La chaise et les samochot, les sortes de béquilles, de bancs que le Bartonnois nous dit. Et là, le Bartonnois explique, cette fois-ci, on parle d'une troisième forme de personne mutilée, qui là, cette fois-ci, il a les jambes paralysées, le pauvre. Donc, il utilise, comme je dis, cette chaise qui est fixée sur lui, derrière, elle est fixée, elle est bien, et il utilise aussi les béquilles pour marcher. Alors, Baton Roy nous dit, la Mishnah nous dit comme ça, Tmei Midras, ça véhicule une Tumat Midras, le petit siège, comme même aussi les bancs, parce que ça lui sert à s'appuyer, donc c'est fait pour, donc ça véhicule l'impureté, de Midras, la forte impureté du Zav, Ven Yotzin Ben Beshabbat, on a le droit de sortir avec eux pendant Shabbat. Alors, les commentateurs précisent, je crois que c'était le Tosot Yom Tov cette fois-ci, qui nous dit, Venotin Ben Beshabbat, ça se rapporte juste sur les smochot, sur les fameuses béquilles, mais pas sur le siège. Le siège, il a le droit de sortir avec pendant Shabbat, c'est pas assez clair, c'est assez dur à comprendre pourquoi. Le partenaire va avoir un problème de dire ça. Il y a un avis qui nous dit, retenez juste l'histoire que ça peut lui tomber, quelqu'un va le transporter dans le chute arabe. D'accord? On se contentera de ça. D'accord? Et donc, Twin Midras, Ven Yosin Ben Beshabbat, on pourra pas sortir avec elle pendant Shabbat. Et la Mishnah, Ven Yichnasin Ben Bazara, et on ne peut pas rentrer non plus avec elle dans la Hazara. Pour quelle raison on peut pas rentrer avec elle dans la Hazara? Et là, ça se rapporte spécifiquement cette fois-ci sur le petit, ce qui va lui couvrir ses pieds. Alors là, on ne peut pas rentrer avec elle dans la Hazara, puisque comme ça couvre les pieds, que tant bien que mal, il utilise cette chose-là pour s'appuyer et se déplacer, et bien, ça prend une statue de chaussure, ça prend un statut de chaussure, et on n'a pas le droit de rentrer avec des chaussures dans la Hazara. D'accord? On a fini la Mishnah, je vais arrêter la Mishnah pour aujourd'hui, demain j'expliquerai l'histoire du Yom Kippour, comme ça, enfin, prochain cours, et on aura une Mishnah courte, donc ce sera facile, on fera les deux en même temps. On reviendra sur l'histoire du Ankatmin Bezrat Hashem. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Asachakol Tov. Salam.